gonna take my car, I'm gonna race it to the ground. Ouais, je regarde sur mon téléphone. Salut, salut. Bonsoir. On essaye de voir si ça marche. Ça se trouve, ouais. On parle devant la caméra pour rien. On dit bonjour à Bernard. Salut Bernard. Salut. Et on est accompagné de Franz. Franz qui est le chef, le directeur, le constructeur des stamps ULM RS. Enfin, SV4 RS. Je mélange tout. Alors. Je pense qu'on va arrêter pour l'instant parce que je pense que ça marche pas. Ça moi marche j'ai l'impression que c'est pas lancé là. J'arrive pas à l'avoir. Alors. Ça me rend ouf. J'ai envie d'aller les voir et leur, alors, leur dire s'il vous plaît, aidez-nous quoi. Ah, ça moi je la vois là, ça y est. Alors attends, on a des commentaires. Est-ce ça que y est, vous nous je nous vois. Je nous vois, enfin, on se voit. Dites-nous. Ah ben bah attends, ça a fait comme si c'était un nouveau live qui s'était démarré, tiens. Ah ben bah oui, c'est un nouveau live qui s'est démarré. C'est pour ça que je voyais plus l'émission. Alors, le live actuellement s'appelle Livestream, je crois. Comme on a démarré après l'heure de l'émission de l'événement, ça a démarré un nouveau live. Donc, je vais vous dire sur l'événement de nous rejoindre ici. Merci, les amis. Je perds ma feuille. Hop, ça va aller entre les jambes. Tac. C'est la panique. Bon, ça a l'air de fonctionner. Bon, Bernard, tu viens souvent au Mondial de l'ULM ? Depuis 6 ans, 7 ans, ouais. D'accord. Sauf, il y a eu le hiatus covidien, mais sans ça, non. Très bien. Tout le temps. Donc François, tu as racheté un projet, en fait. Tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé ? Alors, le fruit du hasard, on va le dire comme ça, j'étais pas du tout à la recherche de ce genre de choses. Je suis moi-même pilote amateur depuis 2017, donc c'est pas depuis très longtemps. Et je pilotais principalement un VL3. Il se fait que le VL3 est une petite communauté qui se connecte souvent à Facebook. Et notre ami Richard Gouble, qui est mon instructeur ab initio et qui m'a tout appris, est venu se balader un jour à l'aérodrome à côté de chez moi avec 3 ou 4 VL3. Et donc je l'ai contacté gentiment en lui demandant bah, « Tu viens chez moi et tu me contactes même pas, qu'est-ce qui se passe ?» Et il se fait qu'il venait voir en fait une entreprise qui fabriquait des ULM. Et qui était à 20 km de mes activités professionnelles actuelles, qui sont dans la métallurgie et la construction métallique. Et donc, le fruit du hasard fait que je les ai invités à manger à la maison, parce qu'on ne laisse pas des amis venir chez soi sans les inviter à manger. Il y avait quoi comme plat ? On a mangé des spaghettis. Spaghettis, c'est le meilleur plat pour un autre. Et on s'est retrouvés à discuter de ce qu'ils étaient venus faire. Et mon intérêt s'est porté évidemment assez rapidement. Mm-hmm. Ils m'ont proposé d'aller voir l'usine. Et quand j'ai été voir la construction, qui était une petite construction artisanale, mais quand même bien, bien goupillée, je suis tombé sous le charme du SV4. Et donc, de fil en aiguille, il y était 5 ou 6 sur le projet. Et il se fait que bah, j'ai fini par le faire moi avec 2 autres associés français. Et comme je dis, les étoiles des fois s'alignent parce que un des 2 associés venant de Toulouse, je l'avais rencontré une fois et c'est lui qui m'assure mon VL3. Et l'autre venant n'était pas là, mais je le connaissais aussi et il vient de Chambéry. Donc je vais dire c'est un hasard. Et on a poursuivi l'aventure, on a décidé de racheter le concept parce que ça valait la peine de ne pas le laisser tomber. Ouais. Ok. Bernard, tu as fait un petit tour. Après, on donnera un peu plus de détails sur la forme, le rapport avec le vrai, l'original, etc. Bernard, tu as fait un petit tour ? Oui, trop petit,
Mais il y a eu des orages hier. Bon, alors, on va regarder ta réaction juste après le vol. C'est salut Bernard. Salut Jean-Sébastien, vas-tu bien? Bah ça va bien. Alors, tu viens de faire un vol avec un Stamp SV4 RS. Ouais. Et tu as trouvé ça comment? Bah, je suis encore sous le charme. Et le terme charme est véritablement adapté à cet avion-là. Je dis avion d'ailleurs parce que certes c'est un ULM, mais comme c'est une reproduction géométriquement absolument parfaite du Stamp, on peut s'attendre, on se dit mais qu'est-ce que ça va donner, parce que c'est finalement un gros ULM, c'est un Stamp qui pèse la moitié du poids du vrai Stamp. Et donc on se demande ce qu'on va trouver. Et ce qu'on trouve, bah, c'est tout simplement, à mon sens, ce n'est que mon opinion, c'est probablement la machine à apprendre à piloter ou à pratiquer le pilotage comme un art la plus parfaite qu'on trouve actuellement sur le marché. Ça paraît peut-être un peu démesuré comme compliment, mais on retrouve toutes les qualités du Stamp d'origine, à savoir en particulier l'harmonie des commandes. Mais comme l'avion est plus léger de moitié ou à peu près que le vrai Stamp, on a un peu moins d'inertie perceptible. C'est du domaine de la nuance, hein, tout ça. C'est pas le jour et la nuit, mais on trouve un Stamp. Alors déjà, il vibre plus à cause du moteur Rotax. On a évidemment pour l'entretien, la maintenance, ne serait-ce que le nettoyage de l'huile qui pisse de partout, ça a disparu, c'est un Rotax. Mais surtout derrière, on a un Stamp épuré, un Stamp minimaliste, et c'est véritablement une œuvre d'art. Ça amène ou ça ramène au véritable pilotage, au pilotage comme un art, et pas seulement comme une technique pour faire évoluer un véhicule aérien. Donc un vol là-dessus, c'est pas loin d'une révélation. Je crois qu'ils ont mis le temps pour affiner, peaufiner les réglages, etc. Mais ça, c'est véritablement un travail de d'artisan de luxe. Et donc, il va falloir que je casse ma tirelire. Voilà, c'était la question que j'allais te poser. Donc ça te donne envie d'en acheter, si je puis dire. D'accord. Mais bon, cela dit, n'importe qui aujourd'hui monte là-dedans et vole là-dedans, soit pour faire un peu de perfectionnement, soit pour juste le plaisir de faire voler quelque chose d'autre, c'est une machine à plaisir garantie. Et finalement, même si ça va pas vite, après tout, plus c'est long, plus c'est bon, et finalement, c'est quand même un peu le but de l'aviation dite de plaisance. Il faut qu'il y ait du plaisir, et c'est étonnant. C'est étonnant, encore une fois, et on retrouve, dans ma prime jeunesse, j'ai fait pas mal de stamps. J'avais débuté la voltige dessus, et ensuite, à la Ferté-Alais, j'avais pu voler sur un stamp très amélioré avec un moteur de Cap 10, un 180 chevaux Lycoming et des freins de Cap 10. Et donc, c'était déjà pas une amélioration, c'était une transfiguration du Stamp. Ça montait mieux, enfin bon, ça faisait tout beaucoup mieux, ça vibrait pas. Mais là, c'est encore un pas de plus, le Rotax ne vibre pas. 100 chevaux sur un avion de cette masse, de l'ordre de 300 kg, c'est largement ce qu'il faut. Et en plus, en vol, les deux différences finalement par rapport au vrai Stamp, c'est que d'une part, comme il est beaucoup plus léger, mais qu'il a exactement la même aérodynamique, eh ben, il a il a moins d'inertie, c'est du domaine de la nuance, mais il a moins d'inertie. Il garde évidemment toutes les harmonies sur les trois axes, mais en plus de ça, comme il n'a pas tout à fait les mêmes répartitions de masse, sans doute, en croisière, il vole un peu plus nez-bas. Et donc le vrai Stamp poussait un peu l'air devant, et en particulier dès qu'on évoluait un peu, eh ben, on prenait de l'incidence, et donc on poussait de l'air avec un avion qui était un peu plus lourd et pas beaucoup plus motorisé, alors que là on a l'impression d'un avion qui est beaucoup plus fluide que ne l'est, enfin encore une fois, le beaucoup est de trop, qui est plus fluide que ne l'était le Stamp. D'accord. Donc c'est beaucoup de compliments.
Ouais, en effet. Puisqu'on te tient, l'actualité dans les semaines qui viennent, les mois qui viennent, tu vas intervenir dans des meetings ? Il y a les meetings de septembre, il y a l'énorme meeting de Melun, il y a une manifestation, je dirais, privée à la Ferté-Alais, et puis à Toulouse, à Francazal, il y a le meeting de fin de saison du Festival Les Étoiles et les Ailes, qui sera un meeting plus qu'honorable également. Et puis, il faut aussi se rappeler qu'après 50 années de mise en pause de la partie astronautique du métier de journaliste aérospatial, on retourne vers la Lune et on est parti pour 7 ans ou 8 ans de grandes aventures, et ce sera un bonheur de les commenter de nouveau pour ce qui me concerne, en particulier de temps en temps sur Europa. Génial. Merci beaucoup, Bernard. Merci à toi. À plus. À plus. Non, c'est ce qui passe maintenant. Alors, ça t'a plu, a priori? A priori, même 24 heures après, ouais. Ça m'a plu. Ça. Il en rêve. C'est indiscutable. France, tu vas être obligé de lui faire un bon prix, je crois. C'est déjà avec un ambassadeur. Ah, vas-y, dis-le encore. On en discute déjà depuis un an. Ah, c'est une vieille histoire. Bon, tu peux nous parler des spécificités un peu techniques de l'appareil par rapport à l'original, le stamp original. Par rapport à l'original, donc c'est une réplique à l'échelle A, donc les dimensions et les plans ont été respectés vraiment au millimètre. La prouesse technique, c'est d'avoir divisé le poids pratiquement par deux pour en faire une version ULM. Et donc en essayant de garder la dynamique et surtout la beauté du SV4. Voilà. Et Raoul Sévra qui a fait le projet, il a essayé d'aller vraiment loin dans le détail sans compromis pour vraiment qu'un pilote de stamp qui a volé en stamp dans les années 60 ou qui se met dedans, il a l'impression vraiment d'y retourner, ouais. Avec la mécanique en moins. Oui. Eh oui. Et le chiffon. Voilà, c'est ça. Nous, on en a quatre dans le hangar. C'est ça. On sait ce que c'est. C'est, hein. Ça. Ouais. C'est marre d'huile, ouais. Bassine d'huile, etc. Sous chaque roue. Et c'est... On a essayé de garder les qualités, d'enlever les défauts, si on peut dire que ce sont des défauts. Alors avant, la machine se vendait en kit. On avait fait un petit reportage justement sur... Oui, à Montauban, non. À Montauban, voilà, sur des passionnés qui étaient en train de monter un kit. C'est ça. Je crois que ça, en revanche, vous ne faites plus maintenant. Vous ne faites que les machines complètes. Voilà, nous quand on a repris la société, on a pensé que le business model du kit était très compliqué parce qu'il y a un énorme suivi derrière et qui n'est pas toujours... on ne sait pas se faire payer et entre guillemets pour qu'une société puisse vivre, il faut qu'elle gagne sa vie, et le business model malheureusement du kit il n'est pas bon, et moi j'avais quelques réticences parce que pour l'avoir vu et pour avoir quand même un esprit assez critique et technique, je pense que c'est quand même pas donné à tout le monde de pouvoir assembler un avion comme ça qui jusqu'au bout, et que des fois on pense qu'une petite chose n'est pas grave, mais quand on est en l'air, ça peut le devenir. Donc moi je n'avais pas tellement envie d'assumer cette responsabilité. Oui. Au grand dam de beaucoup de personnes, de beaucoup de monde, parce que pouvoir fabriquer son stamp et j'en fais partie, ça aurait été quelque chose qui m'aurait bien plu, mais au niveau business model c'était pas viable, donc on a préféré investir dans une usine neuve et fabriquer les stamps avec une équipe de passionnés qui ont été recrutés petit à petit. Et qui n'était pas spécialement dans l'aéronautique, et on essaye de faire les choses de manière sérieuse pour pouvoir augmenter la qualité et en faire une machine dont on se souvient et qui peut durer dans le temps. Moi j'avais une question, du coup le prix Je me suis dit, est-ce qu'on en parle maintenant du prix? On peut en parler. Donc l'appareil est vendu combien, et puis vous en faites combien par an, quels sont les délais?
TTC, on veut parler entre 150 et 170, 170 000 euros, entre 150 et 170 000 euros TTC. D'accord. Il faut savoir qu'on est sur une petite production de 6 à 10 machines par an et que c'est une manufacture complète, donc ça reste de l'artisanat. Et qu'on a plus ou moins 2500 heures de travail pour faire l'assemblage complet d'un stand. Et il faut comprendre aussi que les matières premières, malheureusement, c'est de l'aluminium et du bois. Et depuis 2 ans, là, on a pris l'aluminium a triplé, le bois a pratiquement triplé, il y a eu une pénurie importante, les colles ont triplé. Donc le prix évidemment est un petit peu peut faire peur, mais je vous invite à venir voir la fabrication, ça se comprend. Bernard, tu en penses quoi? Oui, d'ailleurs finalement c'est un peu indépendamment du stand. Quand on se promène ici au Mondial ULM, ce qui est impressionnant, c'est de voir d'une manière générale la qualité individuelle de beaucoup d'exposants et de beaucoup de machines qui sont présentées ici, à tel point que moi j'en arrive à me poser une question qui est un peu fondamentale. La connotation du terme ULM est souvent un petit peu considérée comme péjorative, surtout par les gens qui n'y connaissent rien. Il y a des gens, on leur parle du LM, alors ils pensent toile à matelas tendue sur des tubes ficelés ensemble. Tente de camping. Bon. Quand on voit ça, pour moi, c'est un stand. Qu'il soit ULM ou pas ULM, pour moi, c'est la même qualité de construction que si on allait chez un constructeur lourd qui fait de l'avion de grande série. Je ne vois pas bien où est la différence qualitativement. Je ne vois aucune différence entre un Airbus 350 et ça, sur le plan aéronautique, j'entends. Et donc, à partir du moment où on arrive à une telle uniformité des standards de construction entre l'avion de plaisance et l'avion professionnel, y a un moment où je me dis, garder le sous-titre ultra léger motorisé comme une appartenance à une catégorie technique d'aéronef, oui. Mais pour moi, c'est plus véritablement que de l'ULM. C'est de l'aviation de plaisance, par analogie avec la navigation de plaisance. Quand on va dans un salon de la navigation de plaisance, on est effaré quand on voit certains bateaux. Il y a des constructeurs de bateaux près de chez moi. Quand je vais sur le bassin d'Arcachon, chez Dubourdieu, je suis effaré par la qualité de construction de bateaux qui ne sont finalement que des bateaux pour se faire plaisir en naviguant. Et bien quand je vois ça, je ne vois pas très bien pour moi c'est véritablement, on est en train d'assister à une mutation de la notion d'aviation de plaisance. Je vois certains autogires ou hélicoptères légers ici qui sont des hélicos, quoi. Enfin, la qualité de construction est phénoménale. Quand je vois qu'il y a un turboprop ULM, je rigole, parce que ça, moi, je trouve ça effarant. Mm. Je me rappelle de l'ULM d'il y a 30 ans, hein, des débuts. Bon, et quand je vois le stamp ici, je me dis, ayant bien connu le stamp d'origine, je dirais qu'il est mieux fait. Donc, moi, le terme ULM, à certains moments, me choque un peu. C'est pas que je veux faire disparaître le terme ULM et surtout pas la notion philosophique derrière l'ULM, c'est-à-dire une aviation qui revient aux fondamentaux et qui revient qui simplifie pas les choses, qui fait que les choses sont toujours aussi compliquées, mais qu'elles sont dans un cadre légal et réglementaire différent. Mais ça, c'est aussi bien construit qu'un Airbus, ça, et beaucoup d'autres ici. Mais je ne vois pas très bien la différence, si ce n'est que c'est des avions qu'on paye cher, merci à toi, mais on comprend les raisons, qu'on les paye quand même relativement cher parce que c'est de l'artisanat d'art et que c'est ce que ça vaut, mais que par contre, les plaisirs qu'on en retire et les jubilations qu'on en retire sont à la hauteur.
de l'effort investi et consenti par les constructeurs comme ici. Je dois quand même remercier Bernard parce que je vais lui faire réécouter ça quand il devra signer le chèque. On va discuter. Il vient de se tirer une balle dans le pied. Bon. Bah, on discutera. Non. Alors, Laurent, on va... Je te suis. Donc on est... on est actuellement... On est où ici, là? Au MULM, le Mondial de l'ULM anciennement, le Salon de Blois, c'est la 41e session, édition, je ne sais pas comment dire. Mais voilà, organisée par la FF Plume. Alors justement, la FF Plume qui nous a gentiment accueillis. Accréditation, on se la pète. On a fait une petite interview du président, oui. Qu'on va regarder tout de suite, oui. Qui nous parle un petit peu de l'organisation du Mondial de l'ULM. A tout de suite. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors on est au Mondial de l'ULM, c'est pas mal de boulot, non? Le Mondial de l'ULM, ouais, c'est un gros boulot, ça se passe bien parce que ça se prépare en amont toute l'année. C'est la deuxième année qu'on organise le Mondial dans le cadre d'un partenariat avec le département du Loir-et-Cher. Et donc le Mondial de l'ULM, bah, c'est l'occasion de réunir toutes les familles de l'ULM puisqu'on y a intégré entre autres le paramoteur. C'est l'occasion aussi de montrer beaucoup de machines, l'innovation en France et en Europe puisqu'il y a plus de 120 exposants de tout ce qui se fait de l'ULM dans le monde d'intéressant. Et puis c'est aussi l'occasion pour la Fédération de montrer toutes les pratiques, toutes les politiques que nous avons de développement de la pratique. Et puis surtout, bon, faut que ce soit un lieu sympa. Donc c'est à la fois bon, un meeting un peu pour mettre de l'animation. C'est un rassemblement en vol puisqu'il y a beaucoup de machines qui viennent. Et puis c'est aussi l'occasion pour les exposants de montrer les performances de leurs machines. Et en termes d'organisation, c'est beaucoup de volontaires, non? Oui, c'est beaucoup de volontaires. Alors, de manière, la fédération, elle repose essentiellement sur du bénévolat. Donc, c'est l'investi. Les bénévoles sont environ 70 sur le Mondial de l'ULM. Il y a aussi les salariés, bien sûr, de la fédération qui travaillent. Il y a aussi les prestataires qui sont avec nous. Mais ce qui donne l'âme du Mondial, c'est tout ce travail des bénévoles. Et c'est aussi le cas des clubs. D'accord. Et c'est combien de mois de préparation? Ben, ça se fait à l'année, en fait, le Mondial. Parce que le Mondial, c'est un peu comme le Tour ULM ou les grandes actions, une action de la fédération, quand on veut la développer, c'est un gros travail en amont. Si on doit prendre le cas du Mondial, c'est vrai qu'on avait cette année, par exemple, un partenariat avec Friedrichshafen, donc l'autre grand salon aéronautique en Europe. Et on avait un partenariat d'échange, donc on a été présent là-bas. Et en gros, tout le salon est finalisé fin juin. OK. Là, on est samedi, tu es content, que ça se passe bien, il y a du monde, tout va bien? Alors, pour savoir si on est content, il y a des indicateurs, puis il y a un état d'esprit. Sur l'état d'esprit, c'est vrai que tous les retours sont sympas, l'ambiance est bonne, la météo n'était pas simple. Hier, c'était la journée un peu professionnelle, ouverte au public, hein, où on a eu tout de même beaucoup de monde et surtout beaucoup de qualité dans les échanges, beaucoup de lieux de rencontre, parce que c'est important que les gens puissent se parler. Par exemple, nous, là, on se parle, et donc ça, c'est important. Et puis, beaucoup de gens évoluent côte à côte sans se parler. Donc hier, c'est une très grande réussite pour ça. Aujourd'hui, c'est évident que la météo s'est améliorée. On est samedi aussi, il y a énormément de monde qui rentre, ça vole. Donc là, oui, globalement, on est assez content. Ouais, en dehors de la météo, on va dire que tout va bien. Ouais, il faut jouer avec. Nous, en tout cas, on passe un bon moment. On est ravis d'être là. Et bah, bravo pour cette organisation. Hein, oui, et puis je voulais dire aussi que bon, la Fédéré, c'est pas facile. Hein, donc il faut que. Et puis l'ULM, c'est ce qui fait. Tous les gens qui viennent, qui ne connaissent pas l'ULM, sont surpris par la diversité. C'est-à-dire que. Il y a le président de la FFA qui est là, Jean-Luc Charon, avec qui nous travaillons régulièrement. C'est vrai qu'un constructeur d'avion aujourd'hui, s'il veut montrer des machines, il en a quatre. Donc pour faire un salon avec quatre machines, c'est pas simple. Nous, on en a 120. Et c'est vrai que cette diversité, bah, parfois, ça génère aussi des tensions, des difficultés. Et donc fédérer, c'est pas facile. Et le Mondial et les actions de la fédération, elles sont faites pour ça. Et dans le contexte actuel, on a une opportunité extraordinaire de montrer que ce qui peut voler pour le loisir de manière fun et sympathique, bah, c'est l'ULM. Merci Sébastien. Merci à vous. Ah, on a du monde devant la caméra. Ah, attention. Bonjour, monsieur. Alors, Bernard Chabert a un petit peu changé. Oui. Ouais. On l'a remplacé. Bernard et Chabert. Laura, tu nous les présentes? Aurélien,
un des meilleurs pilotes instructeurs que je connaisse, et Richard Gouble, un des meilleurs pilotes instructeurs que je connaisse. Richard Gouble, basé à Chelles-les-Eaux, Aurélien, basé à Saint-Dié des Vosges. Voilà, vous êtes actuellement devant un magnifique stamp. On reste sur le sujet stamp. Mais que vois-je écrit sur le stamp? Je vois écrit Super Aéros. Expliquez-nous un petit peu, toi aussi, il faut que tu nous expliques, Franz. À quoi ça correspond? J'ai pu comprendre Super une certaine Aéro. Chanson de partenaire particulier. Voilà, c'est notre partenaire particulier. Partenaire qui est en fait une. S'il te spot, je suis reparti. Alors. Je crois que ça marche. Hein. Moi, je l'ai. On a une petite coupure là. Donc. On reprend la coupure. On était Richard et Aurel travaillent avec nous depuis le début de l'aventure. Richard est à la base de l'aventure, c'est grâce à lui. On n'aime pas de le dire parce que c'est grâce à lui qu'on est là. En gros, c'est lui qui nous a... C'était lui l'étoile tout en haut qui nous a mis tous ensemble. Et Aurélien nous a contacté gentiment en disant que lui, il voulait d'une manière ou d'une autre faire partie de l'aventure parce qu'il avait une attirance pour la machine et qui voulait faire partie de l'aventure. C'est d'ailleurs eux deux qui cherchent avec nous les partenaires pour Super Aéro, donc les gens qui vont effectuer les baptêmes pour de l'air pour nous. Et Aurel va vous en parler, il en parle encore mieux que moi. Oui, alors Aurel, c'est quoi les conditions pour pouvoir participer à cette aventure? En fait, cette aventure, c'est un... avec le micro. Cette aventure, c'est un accélérateur d'activité pour un instructeur qui est une structure privée. Et donc, on a... Vas-y, continue. Continue. Et donc, on a pensé Super Aéro à la fin de mutualiser les moyens pour les instructeurs qui ont des structures privées où on a mutualisé la communication, la gestion de nos clients, le service après-vente, tout ça dans une ligne de conduite identique pour tout le monde, avec des offres pareilles sur toute la France. Et donc, on est parti sur ce projet, qui est un super projet pour nous. On découvre beaucoup de choses, autre chose que de l'activité aéronautique qu'on connaît depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Et on s'est rendu compte qu'à cette année à Blois, on avait un vif succès de Super Aéro pour des partenaires futurs, pour faire un maillage sur toute la France avec nos stamps SV4. Et on est assez contents. Voilà. Ouais. Donc concrètement, c'est vous qui gérez les baptêmes? En fait, aujourd'hui, on a fait une centrale de vente de baptêmes de l'air uniquement pour les stamps SV4, partout en France. On a fait un maillage sur toute la France pour répondre à la demande au plus large possible. Et maintenant, aujourd'hui, les clients achètent des ventes sur les sites internet qui s'appellent super.aero. Donc, si vous voulez devenir un super héros, passez chez super.aero. Et le site, on l'a créé de toutes pièces, qui est assez unique dans le milieu de l'ULM. Et on espère durer comme ça dans 20 ans. On vous en reparlera avec nos deux rockstars de YouTube. Comment t'es, Richard? Je te vois. Dans les 20 ans, je serai peut-être plus là, moi. Donc, là, t'es vieux, toi. Mais il sera toujours là. C'est vrai que je suis parti dans le... C'est un peu grâce à moi ou Franz, Jean-Michel et Stéphane. Ils sont partis dans cette folie, quoi, le stamp. Et moi, je suis ravi, je m'éclate. Et ce qui est très bien, c'est qu'Aurel ait pris la main aussi par rapport à la commercialisation, la formation. Parce que moi, bon, franchement, j'ai pas trop le temps par rapport à mon école et tout ce qui est montagne et le raid Mermoz en même temps. Je peux pas tout faire. Et donc, avec Aurel, comme on est complices tous les deux, ça marche très bien. Voilà, c'est... Complice, je sais pas si c'est le bon mot. Complice, non, mais à nous deux, on fait des terreurs. Voilà. Et entre le stamp et le VL3, c'est deux machines totalement différentes, mais complémentaires, et c'est vraiment, on s'éclate, quoi. C'est comme je dis, demain on rentre à Saint-Dié avec le stamp et chacun dans un stamp, et demain on file. À Chambéry avec le VL3 pour faire les stages montagne.
Donc on passe de la deux chevaux à la Ferrari et voilà. C'est... Et on a toujours un vrai plaisir de pouvoir voler. Entre le stamp et ces machines rapides, ben voilà, c'est l'ULM. C'est l'ULM nouvelle génération et sur la réplique. Voilà. Super. Alors moi j'en profite pour remercier Franz de nous accueillir sur son stand. Avec plaisir. Grâce à toi, on fait l'émission Franz ici. Franz, c'est toute la clique. On va lancer un petit sujet. On a croisé un personnage de l'ULM. Lequel Un des personnages. Vous allez le reconnaître. J'ai commencé l'ULM bizarrement. C'est un gars qui me dit, tu veux pas acheter un avion, mais c'est pas un avion, mais c'est quoi ce truc? Oh, il me dit, je sais pas, il y en a à la montagne là-bas. Il y en a à la montagne, oui. Il faut aller à Valouron, à la montagne, dans les Pyrénées. Alors, avec un collègue, on y va. On arrive là, on te voit des trucs qui se jettent dans la vallée. Et puis remonter plus haut que le point de départ. Alors une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, je regarde mon copain, je lui dis, non, mais si on y fout un moteur au cul, ce truc, ça va remonter encore plus vite. Voilà comment je suis parti dans l'ULM. Et le soir même, on a acheté une aile Delta. Et avec des vieux tuyaux d'arrosage, plus ou moins abîmés par les roues de tracteur, on a fait un chariot, un triangle, on a fait un pendulaire. Et on avait mis le moteur dans la bétonnière. J'avais pas de moteur. Il fallait un moteur. Donc on était très calé en matière d'aérodynamique. Et on avait le cantonnier du village qui nous a dit, mais si tu veux, je te fais une hélice. Et il nous a fait une hélice pour foutre au cul du moteur Bernard, qui faisait 4 chevaux. Alors on l'a démarré, et puis tof. On a traversé la cour, mais on a quand même compris qu'on n'était pas encore en haut des Pyrénées. Donc, il y avait un voisin qui vendait un autre moteur qui s'appelait le JLO. Le JLO, c'est un moteur qui, après la guerre, servait de moteur pour le motoculteur, pour la pompe à eau, pour les outils de l'époque après la guerre. Il n'y avait pas beaucoup d'argent, donc on faisait comme on pouvait. Et il faisait 18 chevaux, ce moteur. Plus tard, c'est devenu le moteur solo. Voilà. Et avec ça, on a volé la première fois. Et le gars nous a dit, pour monter, quand on a acheté l'aile, pour monter, vous poussez. Pour descendre, vous tirez, droite, gauche. On n'est pas con, on a compris. Mais par contre, ça s'est très bien passé, on se posait. Et un jour, j'ai trouvé un moteur de moto terreau. Moteur en V, un bicylindre en V. On n'a jamais su quelle puissance ça faisait. Ça vibrait beaucoup, toujours. Et on a foutu une hélice là derrière, notre cantonnier nous a refait une hélice avec des brèches platanes. Là. Et puis on est parti avec ça, et là on est allé voler. On est allé voler et on a décollé. On s'est posé de la même manière qu'avait l'autre moteur. C'est même le problème, il était plus lourd. Et après on a vu qu'il fallait arrondir. Ah. Mais on a vu à la forme des tubes combien il fallait le faire. Voilà, ah, c'est pas fait mal. Et il répare et repart, et à force de réparer et repart, et bien, les survivants, on est devenu instructeur. Oui, c'est ce que j'allais demander. À la suite de tout ça, est-ce qu'à un moment donné, tu as eu une formation? Non, tu t'es toujours sur auto-formé. Les moteurs là? Non, je veux dire en tant que pilote. En tant que pilote, oui, oui. Pas avec l'aile Delta. L'aile Delta, on a pris tout seul. C'est juste après ça, ça a duré 2 ans, cette histoire de l'aile Delta. Et ensuite, après, c'est un ancien instructeur de la LAT sur avion et hélico. Il m'a dit, mais attends, on va faire un 3-axe, on va acheter un 3-axe. Et on a acheté à l'époque un Patrilor. Pas si tu connais. Non. C'était fait par Patrick Lemonnier. D'accord. Donc on a acheté ce travail-là. Et puis, vous étiez un casse-gueule notoire. Mais on montait à 60, on volait à 60 et on se posait à 60. Donc les paramètres étaient vite vus. On a volé, tant bien que mal. On ne s'est jamais fait mal avec. Et après, je l'ai modifié parce que ça me cassait les burnes un peu, parce que ça volait mal. Je l'ai modifié. Alors après, il marchait très bien. On avait sorti le moteur Hirth qui était dessus. On avait mis un 460 Rotax. Alors, voilà,
pilote professionnel avion. Ah ben voilà, donc Laurent. Ah, bonjour. Enchanté, anciennement. Enchanté. Pilote de chasse dans l'armée de l'air. Oui. Tu es directeur général donc, de l'aéroclub. D'une société. D'une société. Voilà, le vol des ailes. Le vol des ailes qui se trouve à Biscarros. Oui. Je pense que vous connaissez, c'est un nom quand même qui se trouve. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Enfin, perso, ouais. Je trouve c'est assez connu. C'est joli, alors, un ex, c'est fait pour vrai. Le vol des ailes, à chaque fois, on me dit, je fais, ben oui, je vois. Parce que chaque fois, on me dit. Okay. Et donc, tu es pilote professionnel. Oui. Ouais, je suis pilote professionnel d'avion aussi, ouais. Voilà. Donc vous avez un stamp là-bas, c'est ça? On a voilà, un merveilleux stamp. Je participe à l'aventure. Voilà, je vais t'expliquer. Voilà, je participe. Donc on a eu la chance d'être contacté par la team stamp qui m'ont donné l'opportunité. Alors au début, je faisais de l'anti-vente, mais t'imagines voler avec un stamp, c'est excellent. Donc c'est un rêve, hein. Mais tout le monde veut voler sur un stamp. Donc ils m'ont proposé vraiment d'exploiter sur des conditions très intéressantes pour eux et pour nous, ce vecteur qui est un rêve, hein, de tout gosse, de voler à bord d'un biplan mythique comme le stamp. Et on a trouvé un accord et puis on exploite ce stamp depuis quelques mois avec succès sur Biscarros et les gens sont vraiment enchantés. Ouais, j'ai embarqué un papy de 85 ans, je me souviens la semaine dernière, qui me dit « Ouais, je suis malade, j'ai passé des examens médicaux, je vais voler en stamp et avant de savoir, et donc top. » Voilà, et il avait la banane jusque-là. Voilà, donc quel que soit là, jeune, vieux, femme, homme, professionnel, pilote de début, pilote expert, monsieur Chabert, pilote de chasse sur Mirage Uni Jaguar, on ne peut pas rester insensible à cette machine. C'est une machine de cœur, une machine de passion. C'est une machine, c'est un balai. Elle n'est pas brutale, elle est stable, elle est fiable. Moi, je suis tombé amoureux de cette machine et on est plusieurs pilotes à pouvoir l'exploiter et voler chez moi dans ma société. On se bat et quand on voit le matin qu'on fait un tour de stamp, on dit « Hey, t'as vu, moi je vole en stamp aujourd'hui. » Voilà, et on se bat pour voler dessus. Bon, moi, je suis patron, quelquefois, je fais de la pression pour voler dessus. Mais voilà, je suis très content. C'est une super entreprise, c'est une belle équipe que je viens de découvrir. Je ne connaissais pas tout le monde, je connaissais le staff. C'est des gens passionnés, c'est des gens responsables, c'est des gens intelligents, qui ont les pieds sur terre et qui mettent en œuvre. Tu parles de Richard Gouble ? Et qui mettent tout en œuvre et je suis persuadé qu'ils sont sur la voie du succès, vraiment. Parce qu'ils ont tout pour réussir, même si la conjoncture économique est difficile, mais je pense qu'ils sont vraiment sur la voie du succès. Ils savent ce qu'ils ont à faire, ils ont sur la tête, sur les épaules. Sinon, je ne pourrais pas rejoindre non plus l'aventure. Parce que moi aussi, je suis quelqu'un de sérieux. Et j'adhère mon nom à leur société avec fierté et sans vraiment rougir. Vraiment, je suis très content qu'ils m'aient permis de rejoindre l'équipe. Voilà. En tout cas, un œil de extérieur pour ma part, je suis pilote, je conviens, ça fait baver. Hein. Si je suis un petit touriste qui n'y connaît rien, je vois ça, je me dis il faut absolument que je m'y mette, j'ai envie d'essayer d'avoir la tête à l'air et comprendre ce que c'est le vol. Donc. Essayer, c'est l'adopter, vraiment. C'est l'adopter. Si je peux faire un petit aparté, je remercie Laurent pour les mots qu'il a pour nous, c'est assez réciproque. Et ça confirme bien l'état d'esprit dans lequel on fait ça. C'est une aventure. Donc, il faut savoir que les trois actionnaires de la boîte, on a tous des activités annexes qui nous nourrissent. Et je vais dire la chance d'Ultralight Concept et du projet Stamp, c'est que aucun des trois, on ne doit se nourrir avec ce projet. Sinon, ça ne serait pas viable. Et on est tous pilotes. Même s'il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Et au-delà de ça, je veux dire, on fait vraiment c'est une aventure humaine. Ouais. Donc c'est le départ d'une aventure humaine, d'une amitié avec Richard. On s'entend tous ensemble. Tout ça, l'équipe qu'on a mis en place à la production, c'est pareil. Pour eux, c'est pas spécialement un job, c'est un rêve. C'est la même chose pour tout le monde. Et alors intégrer quelqu'un comme Laurent, qui vient faire 4 heures de stamp pour nous amener la machine sur le salon. Avec plaisir. Et je vais dire, nous, on l'intègre à l'équipe directement et on lui prend un logement. Et en fait, le gars, il travaille tout le week-end avec nous comme s'il vendait les stamps. Et à la limite, il a fait un travail incroyable parce qu'il vit la machine au quotidien, il vit l'aventure au quotidien et il en parle mieux que nous.
parce que nous on la fabrique, moi je peux vous parler de technique, je peux vous parler de tubes en alu, je peux vous parler de tout ce qu'on veut, mais lui il la vit au jour le jour et il se rend compte de l'aura qu'a cette machine. Et ça c'est ce qui nous a happé tous. Moi je suis un passionné de technique et à la base je suis pas... je connais pas, j'ai pas une culture aéronautique énorme, mais j'ai été happé par la, je sais pas, l'aura de cet avion qui, je sais pas l'expliquer réellement, et ça se ressent. J'ai un client m'a dit un jour, si tu te poses avec un stand quelque part et qu'il n'y a pas un photographe ou des gens qui viennent te trouver, redécolle, c'est que l'aérodrome est fermé. C'est bien ça. Quand on se pose quelque part, ouais. Les gens viennent voir, on s'est posé dans la montagne à côté d'un refuge. La preuve juste derrière. Hein. Ouais, ouais. Voilà. Bon, c'est trop tard. Mais... on s'est posé dans la montagne près d'un refuge à Saint-Roch-Meyer, où il y avait une cinquantaine de marcheurs sur la terrasse, qui ne sont pas spécialement des gens qui sont sensibles à l'aviation, on va dire. Au contraire, pas du tout sensibles. Ils sont tous venus faire des photos, ils sont tous venus nous voir, ils nous ont à la limite remercié en disant « Mais votre avion, il ne fait pas de bruit, il est magnifique. Moi, j'habite 200 mètres plus bas, on est ennuyé par le bruit, les nuisances. Et vous, on ne vous a pas entendu arriver, votre avion, il est magnifique. Vous nous réconciliez avec l'aviation et ça fait plaisir parce que c'est ce qu'on cherche. » Tous, je pense. Oui. Peut-être un jour un stamp avec turbine. Avec une turbine, ce ne sera pas l'esprit, mais on réfléchit à toute amélioration et pour pouvoir perdurer. Quoi. Et je remercie Laurent pour ces mots qui nous touchent, à mon avis, et qui touchent toute l'équipe. Merci beaucoup. C'est ça. On reste sur le mondial, organiser toutes les arrivées des 800 avions sur 3 jours, c'est un boulot. Et on retrouve Eric. Bonjour Eric. Bonjour. Donc là on est sur la tour au mondial de l'ULM. C'est toi le directeur des vols. Oui. J'imagine que c'est un sacré boulot, dire un sacré bordel, mais quand même il y a beaucoup de monde qui arrive, beaucoup de gens qui arrivent en même temps. Comment ça se passe? Effectivement, je ne reprendrai pas ton deuxième terme qui est un sacré bordel. Non, c'est vraiment un peu de boulot, effectivement, l'objectif. Ouais. Le directeur de vol, c'est quoi? C'est un chef d'orchestre. Ouais. Sans une équipe, sans un orchestre, il n'y a pas de musique. Clairement, la musique, c'est ce qu'on est en train de voir. Le directeur des vols est là pour gérer en amont, c'est-à-dire préparer toute la manifestation aérienne. Je ne parle pas du salon. Moi, mon rôle, c'est de m'assurer que le balai aérien, les arrivées, les départs, les présentations se passent au mieux possible. Mon rôle n'est pas d'organiser le salon. Moi, je suis, j'ai envie de dire, une partie rattachée du salon, le spectacle aérien. Mon rôle, depuis environ 6 mois, ça a été de réfléchir à la manière d'accueillir en toute sécurité entre 700 et 800 machines sur 4 jours. Arrivée, départ, démonstration. Donc, essayez d'imaginer ce que ça représente. Ça fait un beau volume de machines. Quand je dis machines, ça va de l'ULM, toute classe, pendulaire, paramoteur, multi-axe, gyro, et des avions et des hélicoptères côté nord. Donc en fait, on a ségrégué la partie sud et la partie nord de manière à pouvoir accueillir tous les types de machines et tous les pilotes volontaires pour venir visiter le mondial. Voilà. Donc, c'est un travail assez important, c'est un travail très intéressant. Le travail en amont, c'est plus de la préparation. Le travail depuis mercredi soir et jeudi matin, c'est vraiment de la conduite en temps réel. C'est vraiment un boulot de chef d'orchestre. Alors dans l'orchestre, vous êtes combien? Alors dans l'orchestre, il y a un directeur des vols parce qu'il faut un responsable, c'est comme tout. Hein, voilà, il y a un arrêté préfectoral et mon nom est dans l'arrêté, ainsi que mes suppléants. J'ai 3 suppléants avec moi parce que l'amplitude horaire fait que de 7h du matin jusqu'à 22h, on est quasiment à fond. Ouais. Donc forcément, on a des limites humaines aussi, on a des pauses techniques à faire, hein, je ne vous fais pas de dessin. Voilà, donc en revanche, je suis tenu d'être là et évidemment, je suis là pour les moments un peu importants, les moments forts, les moments denses. Et après, évidemment, j'ai une équipe sur laquelle je me repose. Voilà. Ouais. Vous avez des contrôleurs aussi? Alors oui, j'ai en plus des contrôleurs qui sont volontaires, qui viennent nous aider pour gérer le trafic, parce que là, pour le coup, c'est leur boulot. Alors j'ai mis en place des procédures qu'on appelle en auto-information, mais vous comprenez bien qu'avec la densité de trafic qu'on a, et surtout la population qui est totalement disparate, c'est-à-dire qu'on a du pilote de
ligne au simple amateur, et il n'y a absolument aucune critique de ma part dans ce domaine. Simplement, il faut qu'on arrive à allier la fluidité et la sécurité. Et effectivement, le fait d'avoir en appui des contrôleurs dont c'est le métier, c'est un plus non négligeable. Alors on a vu qu'il y avait un gros effort de fait sur la préparation pour les pilotes. Il y a une vidéo qui est sortie. Oui. La plupart de mes amis qui sont venus l'ont utilisée. Et franchement, je trouve que c'est très bien foutu. Donc là, c'est 3 jours d'enfer, hein, j'imagine, pour vous, c'est beaucoup de boulot. Ça se termine demain soir ? Demain soir. Alors moi, j'appelle pas ça l'enfer. Pour moi, c'est plutôt le paradis, puisqu'on voit voler des avions, il y a du monde, ça bouge. J'ai été pendant 40 ans pilote dans l'armée de l'air, donc j'ai l'habitude de bouger. C'est ma drogue. Hein. Ouais. Quand ça bouge pas, je m'ennuie. Quand c'est difficile, je m'amuse. Quand c'est pas difficile, je m'ennuie. D'accord. Voilà, donc en fait, effectivement, ça peut paraître l'enfer, mais en réalité, c'est que du bonheur. Et la grande majorité des visiteurs, qu'ils soient en vol ou au sol, sont ravis. Donc pour nous, c'est l'essentiel. L'objectif, encore une fois, quand on fait un spectacle aérien, un salon, c'est que les gens arrivent et repartent avec la banane en toute sécurité chez eux, avec le sourire jusqu'aux oreilles. Et on a vu aussi des paramoteurs nous faire une belle démonstration. Absolument. Alors, j'ai l'impression que c'est la première année qu'on les voit comme ça. Oui. C'est grâce à toi ? Alors, je ne sais pas si c'est grâce à moi. Certainement, on a réussi à intégrer effectivement un domaine qui est relativement restreint en termes de volume de vol par rapport aux autres machines. On s'est coordonné avec le président de la fédération, Sébastien Perrault, pour que justement tous les acteurs de la Fédé puissent avoir leur chance de se présenter. Et effectivement, et en plus c'est gracieux, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah, c'est magnifique. Je trouve ça magnifique. On a la chance d'avoir des champions de France, des champions du monde. Pourquoi s'en priver ? Merci beaucoup, Eric. Avec plaisir, vous êtes les bienvenus. Regarde. Ah bah oui, il fait nuit ici. Hein. Bon, on a encore des Belges. On a encore des Belges une fois, avec des bonnes frites et de la bonne bière, on est d'accord. Ouais, peut-être. Une fois. Bon, nous sommes en compagnie de Jean-Paul, toujours Richard sur votre droite. Jean-Paul et Richard, vous êtes organisateurs, donc vous êtes 3, mais je vous présente déjà, organisateurs du Raid de Mermoz. On était là à l'édition 2022, peut-être une édition 2023. Oui. Une organisation pour 2023, ça y est, c'est parti, c'est dans Starting Block. Je vais vite raconter quand même le Mermoz 2022 qui s'est très bien passé. Il était très chanceux par la météo, c'est ce que disait Olivier. Voilà, et bon, ça fait la 3e édition où on est vraiment chanceux par rapport à la météo, et surtout, pas de problème mécanique, que ce soit mécanique, humain, tout le monde s'est bien entendu. Des pilotes au niveau ? Des pilotes de bas niveau à haut niveau, et ça s'est très très bien passé. Et surtout, pas d'accident. Et ça, c'est vraiment c'est notre priorité. C'est pour ça qu'on vole par équipe, et avec un leader et un gars qui ferme le team. Donc voilà. Et c'est pour ça qu'avec Olivier, Jean-Paul et puis moi, nous avons décidé de remettre le couvercle pour 2023. Mais différemment cette année, parce qu'on s'est aperçu que les 2 premières années, on avait fait jusqu'à Dakar. Cette année, on avait réduit jusqu'à Darla. Mm-hmm. Donc on a dit, on va faire quelque chose de nouveau. Oui, donc on avait été un peu barré par les conditions sanitaires que tout le monde a un peu vécues. Et donc on avait pris une certaine marge de sécurité, parce que c'est clair que si on avait connu des problèmes sanitaires sur la Mauritanie ou sur le Sénégal, ça pouvait être des problèmes très difficiles à gérer. Ici, on croise les doigts un petit peu et on espère que les conditions sanitaires vont nous permettre de descendre jusqu'au Sénégal. Et on opte un petit peu pour une formule un petit peu innovante qui sera basée sur une formule mixte, à savoir une formule un peu soft, un peu comme celle qu'on a vécue l'année dernière, et puis une formule un peu plus dure où on va revenir un petit peu sur les origines du raid, où là ce ne sont vraiment pas des vacances, ce sont vraiment quelque chose de dur à la fois physiquement, moralement, mais le but est de faire quelque chose qui est un petit peu unique et qu'on ne refera probablement jamais dans sa vie. C'est spécialement pour l'édition 2023 ?
C'est une innovation de 2023, on essaie de la mettre en place, on verra un petit peu le succès qu'elle va rencontrer pour voir si on la maintient ou pas. Ça va dépendre un petit peu tous les avis qu'on a réceptionnés ici ce week-end sont vraiment très très bons, donc c'est vraiment quelque chose qui peut rencontrer la majorité des pilotes et la majorité des appareils tant que les appareils correspondent aux caractéristiques que Richard va rappeler. Mais la volonté profonde, c'est d'ouvrir encore un petit peu le raid. On l'a ouvert sur différents fabricants. Historiquement, on est parti avec des VL3, puis on est passé avec des Sharks, des Dynamiques. Je crois XL8 aussi ou pas? XL8, oui, tout à fait. Donc ce sont, dans l'imaginaire des gens, ce sont des appareils qui sont peut-être un petit peu moins performants, si je parle de XL8 en termes de pointe de vitesse, mais par contre, qui conviennent parfaitement pour faire un raid. Okay. Et l'idée, c'est on ne fait pas une course, on fait de l'endurance, on va voyager longtemps, on va probablement voyager un peu plus de 50 heures, ça va être très formateur. On essaye, nous, de structurer ça le mieux possible avec sous forme de patrouille, comme a évoqué Richard. Donc, on essaye d'apporter, nous, notre know-how pour une sécurité optimale. Et l'option, on va dévoiler un peu, c'est qu'il y aura aussi le problème des personnes, c'est aussi le temps. La plupart des gens sont tous des patrons, donc il y a des gens qui peuvent se libérer sur 15 jours et 10 jours. Donc on va faire une patrouille qui iront jusqu'à Darla, on va dire, et une autre équipe qui iront jusqu'à Sali, au Sénégal, bon voilà. En passant par la Mauritanie, avec des points peut-être un peu plus spécifiques, aller chercher le désert. Mais selon le critère par rapport à ça, c'est par rapport à la disponibilité des gens. Oui. Parce que tu as des gens qui peuvent se libérer uniquement 10 jours et des autres uniquement 15 jours. Voilà. Et au niveau des machines, on repartira comme cette année avec des machines qui auront une vitesse de croisière de 200 km. Avec un range de 5 heures, 6 heures. Et comme ça, on pourra avoir des XL8, des P92. Mais c'est vraiment la vitesse de croisière et l'autonomie qui sont à prendre en compte. Et on prendra bien sûr toujours un VL3. Et VL3, c'est normal parce que c'est avec Olivier et Jean-Paul, on est tous de cœur de VL3. Mais et on a dit pourquoi pas faire participer les gens qui ont des dynamiques ou... voilà, donc on est ouvert à tout le monde. Et au contraire, même c'est même plus sympa parce que nos connaissances sur nos différentes machines, on dit tiens, celle-là elle va mieux pour ça, l'autre, et voilà, c'est vraiment un échange. On n'est pas sectaire, on sait ce que vaut nos machines, on sait ce que valent les autres machines, donc... Voilà, c'est surtout faire plaisir, et surtout pour un raid comme ça, il y a tellement de difficultés au niveau de tout ce qui est administratif, on donne une certaine facilité aux gens de venir à l'étranger, et puis en même temps c'est un peu les vacances. C'est un raid comme dit Olivier, dit toujours c'est un raid, est-ce qui est vrai, mais en même temps on fait des choses où les gens, quand ils se posent, ils partent directement à leur hôtel, ils n'attendent pas 4 heures à faire le plein, c'est moi je suis le roi de l'essence. Oui. Au bout de 10 jours je ne veux plus l'essence, mais ça fait rien, les gens ils ont pris du bon temps et... On apporte un service quoi. On apporte un service et... Bon. La plupart des gens sont tous heureux et on a surtout beaucoup de demandes des gens qui ont déjà participé. Et les dates, à peu près ? On n'a pas encore défini clairement les dates parce qu'il y a différents facteurs qui vont intervenir, mais vraisemblablement ce serait un départ sur le premier week-end de mai. Tout dépend du ramadan, je sais pas. Oui, il y a le ramadan au Maroc, il y a les pays qu'on va visiter, donc on est en contact avec eux. Il y avait aussi des salons importants comme Friedrichshafen, où nous ne sommes pas spécialement libres non plus dans cette période-là. Donc il faut conjuguer avec ça, mais vraisemblablement, comme ça se dessine là pour cette année, ce serait un départ sur la première semaine. Alors, on a
lancer ici les premières banderoles, donc officiellement le fait que, qu'on refaisait sur 2023. Vous pouvez vous inscrire via une adresse toute simple qui est 2023@moebius, autant pour moi. Non, redmermoz, red-mermoz.com. Et là, directement, vous allez pouvoir vous inscrire sur une petite mailing list. On vous tiendra vraiment au courant de toutes les personnes qui sont amateurs de participer au raid. Alors, j'ai. Je te coupe, j'ai eu une question d'un pilote là cet après-midi qui était intéressé de venir faire le raid. Et il me dit, mais j'ai seulement 150 heures, j'ai pas l'expérience pour venir faire un raid comme ça. J'ai dit, bah, y a pas de problème. Nous, on a 5 instructeurs, il y a Hugues, Aurel, Olivier, Alain, il y a... Et on en a encore deux autres qu'on met... En tant qu'instructeur avec ces personnes-là, qui n'ont pas la, on va dire, l'expérience de ces grands vols, et ils seront avec ces personnes-là en double, et ils seront en même temps leaders. Voilà. On part d'une personne qui a 100, 150 heures, s'il n'a pas confiance, de toute façon, on lui dira, bon, par rapport à ton expérience, on te met un instructeur avec toi, mais il pourra participer, voilà. Bien sûr. Avec sa machine, et voilà. Laura ? Oui ? L'heure tourne ? Oui, ah déjà, il y a quelle heure? Ah oui, incroyable. Je voulais juste demander, il y aura toujours le même nombre de participants, à peu près? On espère pouvoir l'augmenter un petit peu encore si on parvient à faire cette formule mixte. Okay. Donc notre cible peut-être cette année. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui ont envie d'y participer. Oui, mais on serait une quarantaine d'appareils, ce serait vraiment l'idéal pour nous. D'accord. Avec une répartition entre les deux formules qu'on doit encore déterminer. C'est clair qu'on ne va pas amener tout le monde à Sali. Parce que ça, ce ne sera pas possible. Laura, donc on vous dit bonsoir. On merci. On va envoyer merci un dernier sujet sur... alors, on avait beaucoup de sujets, évidemment. Alors, lequel le... Red Light. Ok. Okay. Donc on va juste envoyer un dernier sujet. On retrouve Christophe juste après pour finir l'émission. Richard et Jean-Paul, merci d'être venus. Merci. J'y sais, mais Laura, merci à vous. Hein. On se régale à chaque fois. Voilà. On vous retrouve bientôt. Et on regarde un petit sujet sur les strobes. C'est parti. Salut Marc. Bonjour, je suis Marc de Relay Technologies. On est basé à Grenoble et on fabrique des strobes à LED. Donc ils sont fabriqués et étudiés à Grenoble. Et là on est aujourd'hui à Blois 2022. Alors montre-nous un petit peu les strobes. Donc je montre un petit peu le logo de la marque. Donc là vous avez plusieurs modèles. Voilà, donc le principe des strobes, donc c'est un kit qu'on propose avec une verrine en polycarbonate, une petite tourelle de LED et puis une mousse pour faire l'étanchéité. Donc c'est fait pour être monté soit sur les bouts d'ailes de l'avion, soit sur la queue. D'accord. Alors on a un modèle simple avec un petit générateur qui fait uniquement un strobe. Donc le strobe, c'est celui qui flash là-haut. D'accord. Alors. Et ensuite, on a un générateur qui est un petit peu plus gros, celui-là, qui a 3 sorties. Donc on peut l'utiliser soit pour alimenter 2 strobes de bout d'ailes, et en même temps, ça fait les feux de nav et feux de position, et on peut se mettre en mode strobe. Ah oui. Et on peut mettre soit 2 strobes, soit 3 strobes sur ce générateur. Alors, justement, le générateur, moi, a priori, la première chose que je me dis, oh là là, je préférerais qu'il n'y en ait pas. Donc, quel est l'intérêt d'avoir ce petit boîtier? Alors, l'intérêt du générateur, c'est qu'on charge un condensateur, un gros condensateur dans le générateur avec un courant très faible et un courant constant, un courant continu. Et ensuite, on décharge le condensateur avec une puissance très importante. On envoie 120 watts pendant 30 millisecondes à peu près dans les LED. Et ça fait un flash qui est très bref et qui est très puissant. D'accord. Sans perturber du tout le réseau électrique de l'avion. Voilà. Donc ça ne fait pas de parasites, parce que la deuxième question que j'allais te poser, c'est est-ce que ça fait des parasites? Et l'intérêt du boîtier, c'est effectivement de pouvoir contenir des grosses capacités, des gros condensateurs. C'est ça. Et c'est ce qui donne un flash plus puissant que s'il n'y avait pas le boîtier. On ne pourrait pas avoir des flashs aussi puissants. C'est ça, absolument. Okay. Là, on a un flash qui fait 20 000 lumens. D'accord. Et pour avoir 20 000 lumens, chaque flash
dans chaque flash, on envoie une puissance de 140 watts. D'accord. Donc si on était directement sur la batterie, pour un flash, on consommerait 10 ampères sur la batterie. Pour deux flashs, on consommerait 20 ampères. D'accord. Donc si on consommait des pics de courant de 20 ampères toutes les secondes sur la batterie, tout le circuit électrique de l'avion pourrait être perturbé et on aurait du bruit dans les casques. On aurait les indicateurs à aiguille de voltmètre ou de jauge carburant qui danserait toutes les secondes. D'accord. Donc, et la consommation globale quand on le met en route, je vois que là, alors on a c'est un petit ça, appareil là, on est à 0,8 ampères. Voilà, donc là, on a 14 volts, 0,8 ampères avec les trois flashs. D'accord. Donc, c'est pas une grosse consommation. Ben voilà ce que je voulais voir. Et alors, au niveau des tarifs, alors les tarifs, alors là, pour le salon, on fait 10%. D'accord. Et sinon, le tarif, alors, pour le flash simple, on est à 220 euros. D'accord. Le double à 420 euros et le triple à 530 euros. D'accord. Et tout ça, donc moins 10% pour le salon à Blois cette année. Génial. Et du coup, si on veut deux flashs, il faut au moins le boîtier le plus gros. Hein, c'est bien ça. Alors si ça, le prix que j'ai donné, c'est flash plus boîtier, évidemment. Ouais, le ouais, flash simple, c'est un flash plus un boîtier. Le flash double, c'est le boîtier avec deux flashs. Alors, dans le kit, il y a le générateur, donc soit le petit générateur, soit le gros générateur pour le double et triple. Il y a la verrine en polycarbonate, c'est du polycarbonate traité anti-UV qui est très résistant. Oui, alors l'intérêt, c'est que c'est pas moulé, en fait, c'est pas c'est noyé ça. Dans le... C'est pas noyé dans de la résine, ce qui non. fait que toutes les pièces sont remplaçables et on ouais. propose toutes les pièces en pièces détachées. Ça, c'est pas mal. Franchement, ensuite, il y a la tourelle de LED. Ouais. Et puis la mousse pour faire l'étanchéité. D'accord. Donc on passe les fils, les vis, et puis le petit sachet de visserie avec le connecteur pour le générateur, des vis inox avec des écrous nil-stop, une petite rondelle en téflon pour faire l'étanchéité. D'accord. Et pour le générateur double, il y a des petits manchons en gaine thermorétractable pour faire la connexion, une connexion d'accord. étanche. Et les fils, on prend soi-même, on achète soi-même le câblage, c'est un câblage standard. Oui, alors les fils ne sont pas fournis. Par contre, on peut prendre du fil tout à fait standard, alors voilà. de préférence du fil qualité aéronautique. Ouais. Mais il n'y a besoin que de deux fils pour aller aux tourelles de LED. D'accord. Pour commander soit les strobes, soit les feux de position, soit les deux avec seulement deux fils. D'accord. Et c'est en jouant sur la tension que ça allume uniquement les feux de position ou ça allume les strobes en plus. D'accord. Et il n'y a pas besoin de fils blindés, simplement deux fils torsadés, ça convient parfaitement. D'accord. Et alors en termes de dispo? Alors là, on a de la dispo pour le salon pour ce week-end. D'accord. Et sinon, les strobes simples sont disponibles. Et les strobes doubles, on en a double et triple. On attend les pièces pour la mi-septembre. On va en recevoir 200. D'accord. Bon, bah super. Donc, il n'y aura pas de problème de disponibilité. Vous avez un site web, on peut passer oui. commande directement. Oui, il y a un site web. Alors, soit on vend directement, soit on peut passer par les revendeurs comme ULM Technologies ou Aeromax à Gap, par exemple. D'accord. Donc, les deux choix sont possibles. Super. Ben, merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Salut Christophe. Salut Jean-Seb. Salut Laura. Salut Christophe. Bon, on est un petit peu dans le noir. Ouais, ça me rappelle l'émission qu'on avait fait à Syntex. Ouais. Ouais, pas trop noir, les total. Gars, on va se détendre parce qu'il n'y a absolument aucun bruit et ça va faire ça sur les micros. C'est vrai qu'on peut parler normalement. Christophe, on t'a vu donc te trimballer avec ta caméra. Ouais, je suis là depuis jeudi après-midi. Ouais. C'est rigolo, j'ai voulu vivre l'expérience de Blois du début à la fin. Mm-hmm. Et j'ai eu une première nuit assez, délicate, délicate parce que j'avais à peu près 25 cm d'eau dans ma tente. On a eu vraiment des orages assez impressionnants. Mais c'était assez rigolo à vivre. Donc, pendant deux jours, j'ai vécu avec les mêmes habits parce que le reste était trempé. Et voilà. Et écoute, j'étais pas venu à Blois depuis 2014. Voilà. Alors ? Et moi, je suis toujours un peu fébrile dans ces trucs parce que j'ai l'habitude de voler, de me poser sur des bases ULM, de rencontrer des gens, de boire un café. Et je suis toujours super impressionné par le côté salon, le côté très impressionnant, très massif, et puis tous ces vendeurs, ces exposants, tu sais pas etc. Comment c'était la ouais, c'est un peu comme disent les Américains, overwhelming, c'est un peu, on se sent dépassé. Ouais. Mais bon, quand on arrive à voir derrière le côté business, le côté fédéral, le côté entreprise, tout ça, on retrouve un peu les gens on retrouve plein de gens. Ouais. Et malgré tout, même si le salon de Blois, c'est un peu la représentation technique des machines, etc., il y a un côté quand même super convivial et il y a des apéros qui sont un peu partout et donc voilà, c'est assez sympa. Et d'ailleurs, je dois dire,
Côté fête, on s'est bien rendu compte que dans le monde de l'ULM, les paramoteurs, ils font la fête à un autre degré. Il y a clairement, clairement une dynamique de fête qui est beaucoup, une propension à faire la fête qui est beaucoup plus intense chez les paramoteurs. Donc voilà, mais globalement, j'ai l'impression que c'est un mondial de l'ULM. Le Salon de Blois 2022 est plutôt réussi et on a pu voir toutes les grandes figures mythiques de l'ULM. On a vu Bernard Chabert. Le boss, Philippe Bouchera. Enfin, j'ai recroisé plein de gens. D'ailleurs, j'ai été très content de retrouver des gens que j'avais filmés lors de mon documentaire. J'ai croisé Henri Delavenne, Fabien Toussaint, des gens absolument formidables. Et c'est un peu. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, dans l'ULM, c'est un peu le moment, finalement, où on peut se rassembler et retrouver tout le monde ensemble. Et, enfin, moi, j'ai passé l'après-midi. Je crois que j'ai mis 2h30 pour aller de ma tente jusqu'aux douches, parce que tous les 10 mètres, je croisais quelqu'un. Et on se faisait offrir un coup à boire et en fait ça n'en finit pas quoi. Donc voilà, on a eu une météo un peu bizarre mais j'ai l'impression plutôt des belles représentations aériennes cet après-midi. J'ai eu la joie et le grand bonheur de pouvoir aller sur la piste quand Samir a fait sa performance avec le ruban là. Le truc que Patrice Barcouda faisait dans les années, fin des années 90. Et du coup, voilà, et je pense avoir fait quelques belles images. En tout cas, j'ai fait quelques images. Alors justement, la question, c'est que fais-tu avec ta caméra? Alors, qu'est-ce que je fais avec ma caméra? Qu'est-ce qui nous prépare, hein? Voilà, déjà, je suis tout le temps avec ma caméra. Et j'ai pas été si courageux que ça, parce que j'ai pas tant filmé. Mais en fait, j'ai quand même avancé un peu sur un projet que Claude Cordel m'a contacté pour essayer de refaire un film sur Thierry Barbier pour étoffer un peu l'histoire que j'avais un peu entrevue dans le 8e épisode de la petite histoire de l'aviation ultra légère. Et j'ai retrouvé plein de gens qui l'ont connu et on s'est dit que ça pourrait être intéressant un peu d'en reparler avec des gens qui l'ont bien connu, qui ont voyagé avec lui. Et je crois même qu'il y a un raid Thierry Barbier qui est en train d'être organisé, je crois en Europe, par Pascal Noirot, mec absolument charmant, fan de Thierry Barbier. Et donc, on a profité de l'occasion de Blois pour venir commencer à interviewer quelques personnes et qui l'ont connu et qui nous racontent un petit peu la vision du personnage. Et donc voilà, et ça, c'est un des projets parmi différents projets. Voilà. Eh bien, écoute, c'est super. On a un petit message de Jean-François qui nous dit « Pourquoi avoir critiqué publiquement la F-Plume et être à Blois aujourd'hui et interviewer le président de façon plutôt sympathique ?» Est-ce que Alors, je peux donner une réponse? Vas-y. Parce que l'ULM, enfin ma réponse à moi, c'est pas votre réponse, c'est pas... Ma réponse à moi, c'est que l'ULM, c'est six classes, on est bien, six classes différentes, de gens très différents qui volent avec des manières très très différentes, avec des opinions très tranchées. Dans l'aéronautique, on a des gens qui sont passionnés, mais qui ont des caractères très forts. Et je pense qu'on a tous à gagner de nos échanges. Et je dis tout le temps que si on arrive à faire cohabiter six classes d'ULM différents, et aussi on a une capacité à se remettre en cause, à se dire aussi qu'on peut avoir raison. Et être pilote, c'est aussi ça, c'est savoir aussi reconnaître ses erreurs, savoir voir au-delà de nos opinions. Et puis et les choses ne sont jamais toutes blanches ou toutes noires. Et moi, je sais que j'ai été aussi très critique sur la FEDE, mais parce que je pense que j'avais des frustrations, et j'ai des frustrations, etc. Mais on n'est pas d'accord sur tout. Ouais, on est pas, et d'ailleurs, on a le droit de ne pas être d'accord sur tout. Et c'est la force de la chose. Hein. Heureusement. Et c'est on une bonne chose. Et c'est en désaccord. Ouais, notre club n'adhère pas à la FEDE. Exactement. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne reconnaît pas que c'est une sacrée organisation. C'est une réunion de... On retrouve tous nos amis, on est content d'être là, ouais, c'est bien organisé, enfin faut le reconnaître, voilà, et c'est une façon de dire on n'est pas d'accord, mais on reconnaît. Ouais, il y a des bons côtés, et entre autres, le mondial c'est chouette, quoi, voilà. Ouais, et exactement, tout est pas négatif, il y a des gens formidables à la FEDE, et puis il y a des gens aussi comme nous qui sont un peu cons des fois à des moments, et puis qui savent revenir en arrière, et puis qui savent faire un pas en avant et tout, et des fois je pense que ça fait du bien de mettre nos égos à côté et puis d'aller de l'avant et d'arriver à voir le bon côté des choses. Et ça, c'est vraiment une leçon que j'ai appris
des pilotes et des aventuriers qui font des trucs incroyables en ULM, c'est des gens qui vont toujours de l'avant et qui sont fondamentalement optimistes et qui préfèrent voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Je pense que si aujourd'hui on arrivait à mettre nos espérances plutôt que nos frustrations en avant, on pourrait faire de grandes choses. Et l'ULM, c'est vraiment cet esprit-là d'aller de l'avant, de la liberté et savoir se remettre en cause. Et je pense qu'on a tous besoin à un moment donné de se remettre en cause et savoir regarder le bon côté des choses. Je ne sais pas ce que tu en penses, Laura. Je dis que tout le monde va boire tes paroles et que c'est aussi beau que Chabert. Christophe le philosophe. Christophe le philosophe, voilà. On mettra ça maintenant. Alors, je ne sais pas ce qui se passe derrière toi. Je pense qu'ils sont en train de voler un stamp. Oui. Ah ouais. Ouais. Ils cherchent les clés, là, je crois. Alors, ton micro n'a pas l'air de fonctionner. Je ne sais pas. Mais il est à côté, non? Ah non, c'est ton... Non, non, ça, c'est mon boîtier. Alors, attendez, un teclat. Non, il est bien branché, il est bien branché. Bon, écoute, de toute façon, l'émission est terminée. Oui. On n'a pas de générique de fin. Alors, ils y sont prêts, c'est reparti. Si, normalement, si, on en a, mais est-ce qu'on... J'ai pas pu, je peux pas. Non, je peux pas malheureusement, il est dans mon téléphone. Je pensais que tu pouvais le faire en direct. Ok, voilà. Donc, c'est très joli derrière. Ouais, voilà. C'est super beau, c'est un très beau générique de fin ça. On va quand même dédier cette émission à deux pilotes qui ont voulu venir aujourd'hui et qui se sont tués. Oui. Il y a eu deux morts, deux personnes ce matin qui venaient de Caen et qui malheureusement ne sont pas arrivés à Blois, donc on leur rend hommage. On ne connaît pas leur nom, on n'en sait pas plus, mais voilà, on ne peut pas dire plus. Ouais, écoutez, c'est aussi ça l'ULM, c'est, on ne gagne pas à tous les coups, il faut savoir rester humble et peut-être que ce n'était pas leur jour malheureusement, mais en tout cas, on pense à eux et à leur famille et eh bien, on compatit. Voilà. On vous embrasse tous et on vous dit à la semaine prochaine. Et à très bientôt.